Yo, Amnesia! Yo, Pignon! Finalement, je pense que je vais pas programmer ce soir. Il faut que je finisse Zelda. Ça me rappelle trop de souvenirs. Ça va bien, ça va bien. Tout à l'heure et toi?
Après, ça nous permet, quand je finis le jeu, ça nous permet aussi de voir le gameplay, tout ça, les graphismes, la diversité de mobs, etc. Et là, Pinou, tu vois, je regardais tout à l'heure comment il était fait le mouvement sur Zelda, enfin sur Link, et du coup, on voit qu'il a deux positions, il a pied serré, pied écarté. Pied serré, pied écarté. Et en fait, du coup, à chaque bloc, il change. En fait, et du coup, quand ça va vite, on a l'impression qu'il marche. Du coup, il a deux positions dans chaque. Et pareil, son bras, il bouge. Il est en avant quand il a les pieds écartés, en arrière quand il a les pieds serrés. Et il est même plus haut du coup. Quand il a les pieds serrés, il est plus haut, etc. Et au bas, c'est pareil. Du coup, quand il va vers le haut, pied droit, pied gauche. Et du coup, on voit la main à droite quand le pied gauche est derrière. On voit la main à gauche quand le pied droit est derrière. Et en avant, c'est pareil. La main qui bouge et pied droit, pied gauche. Voilà, comme il a le bouclier, on voit que le pied gauche d'avant en arrière, mais avec la main. Et donc du coup, il a deux positions par angle de vue. Et du coup, ça permet d'avoir un truc plutôt pas mal. Voilà. Je me suis dit tout à l'heure en le voyant, je me suis dit faudra que je te le dise, que je te le montre. Et là normalement, alors ici je peux pas. Là c'est deux, je crois que je peux traverser quand c'est un. La musique est chiante à force. Ouais, par contre, il n'y a pas beaucoup de variété, quoi. Après, du coup, c'est un peu une musique mythique quand même pour moi, donc. Mais c'est vrai qu'elle est un peu répétitive. Yep. Mais du coup, c'est un peu plus simple, t'as moins complexe. En fait, on a un peu plus à faire, mais ils sont quand même, on va dire, un poil plus simples. Aïe. La transition entre les armes, mais c'est, il faut que je le prenne en compte. J'ai pas vu le nombre de cœurs. Allez, j'ai commencé à. À tabasser là un peu. J'ai fait un château en plus. Mince. Mec, il a pas de patience. Et donc, du coup, j'ai récupéré un cœur. Mais là, en plus, j'ai récupéré aussi un radeau. Donc là, je vais aller chercher mon cœur qui est à droite. Ah. Au niveau de... J'avais deux petites plates dans l'eau tout à l'heure, à droite. Et donc du coup, il y avait un cœur. Et comme j'ai récupéré le radeau, et ben, je vais pouvoir aller faire ça. Encore pour l'instant, j'ai pas beaucoup de cœur. Hein. Alors, c'est pas là.
passer plus bas. Ah, mais ça se brûle. Et hop là. Oh, j'ai trouvé un château. Ah, si tu veux des musiques chiantes. Ça, dans le genre, les musiques de donjon, elles sont bien stressantes aussi. Bien stressantes. Pour devoir récupérer l'arc dans cette dans les flèches parce que sinon je peux pas les récupérer. Oh. J'ai combien de bombes? J'en ai 8. Je vais essayer de faire ça. J'ai perdu pas mal de cœur, mais... C'est quand même plus facile quand je peux envoyer mon épée. Et là je peux pas, c'est frustrant. Parce que là il faut que je récupère 3 cœurs. Et c'est frustrant, c'est de pas savoir. Enfin, on drop pas des cœurs comme on veut, donc ça c'est un peu casse-pied. Aïe. Je vais prendre dans un coin. Il y a pas des mobs. Il y a des mobs, je crois. Bon. Mais ils donnent rien. J'espère qu'ils me donnent un cœur. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de V5 à l'époque. Non, c'est. V-Sync, ce que tu entends par V-Sync, c'est la synchro verticale. Synchro verticale, du coup. Dans quel contexte? Non, pour empêcher que l'écran soit fondu en deux. Quand sur les transitions, tu veux dire? Bah, et bon, c'est bien, ça fait des dégâts, mais...
Pourquoi ça le tue pas? Ok. Bah non, visiblement, il y avait pas. Ça me casse la tête d'être aussi mauvais là. Faut que je récupère mon armure là, c'est pas possible. Je meurs beaucoup trop vite. Ça me fatigue. Je me prends un coup par les bleus, je perds deux cœurs là. Ce n'est pas possible. Et alors eux avec leur mouvement aléatoire, ça me casse la tête. Ça plus les lags, je vais commencer à. À m'énerver un peu. Alors que je vais pas pouvoir, pas tant plus, j'ai pas la force. Ah si, j'ai peur. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Comme item. Après que je vois la fascicule. Thank you.
Le radeau, ça c'est bon. Ah, alors. Bâton magique, dont se servira pour agiter l'eau pour libérer les sorts. C'est unique, ramasse le livre magique et apprend de nouveaux sorts. Il peut évoquer des sortilèges et faire surgir des flammes. Ok. Faut que je trouve la baguette magique maintenant. J'ai le bouquin, mais. Après, il y a la flûte, le sifflet, un élément vraiment mystérieux pour un magique. Bougies bleues et rouges, le cerveau des bougies pour éclairer les pièces obscures. Les bougies bleues ne servent que pour un seul écran, mais les rouges peuvent illuminer les pièces sur plusieurs écrans. L'eau de vie, buvez-la pour changer tous les clairs de vie de Link. Le rouge devient bleu lorsque Link la boit. Si vous buvez l'eau bleue, il n'en restera plus. Ok. Ok, ok. Donc en fait, j'ai encore de quoi me remettre. Si je fais ça. Ah non. Ah, c'est devenu la map qu'il faut que je donne à l'autre vieille là. Je savais bien que j'avais la map. Je mettrais pas une bombe. Non, je pense qu'il n'y a pas une bombe à mettre ici. Au niveau des déplacements, c'est quand même très rapide. Hein. Et très fluide. Et très vif. Accélère comme avant. Il faudrait que je mette des bombes, mais. C'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Je n'ai plus de vie encore une fois. Ah oui d'accord. Pas normal que ça lag comme ça, ça me rend ouf. Ah il est chaud. Je me rappelle de. Je me rappelais pas qu'il était aussi mal, mais je me rappelle de. Encore une fois, c'est un château, j'ai l'impression que j'ai pas le stuff pour, en fait. Parce que vraiment, j'ai l'air quand même fort. Pas récupéré, pourtant j'ai le radeau. Là on a le bateau, du coup on va pouvoir aller se balader à des endroits qu'on n'avait pas encore pu aller visiter. Notamment récupérer un cœur là-bas sur le côté.
côté. Yo, Amnesia. Yo, Pounou. Finalement, je pense que je vais pas programmer ce soir. Il faut que je finisse Zelda. Ça me rappelle trop de souvenirs. Bah ça va bien, ça va bien. Depuis tout à l'heure et toi? Après, ça nous permet, quand je finis le jeu, ça nous permet aussi de voir le gameplay, tout ça, les graphismes, la diversité de mobs, etc. Et là, Pinou, tu vois, je regardais tout à l'heure comment il était fait le mouvement sur Zelda, enfin sur Link, et du coup, on voit qu'il a deux positions, il a pied serré, pied écarté, pied serré, pied écarté. Et en fait, du coup, à chaque bloc, il change. En fait, et du coup, quand ça va vite, on a l'impression qu'il marche. Du coup, il a deux positions dans chaque. Et pareil, son bras, il bouge. Il est en avant quand il a les pieds écartés, en arrière quand il a les pieds serrés. Et il est même plus haut du coup. Quand il a les pieds serrés, il est plus haut, etc. Et au bas, c'est pareil. Du coup, quand il va vers le haut, pied droit, pied gauche. Et du coup, on voit la main à droite quand le pied gauche est derrière. On voit la main à gauche quand le pied droit est derrière. Et en avant, c'est pareil. La main qui bouge et pied droit, pied gauche. Voilà, comme il a le bouclier. On voit que le pied gauche d'avant en arrière, mais avec la main. Et donc du coup, il a deux positions par... comment ça s'appelle ? Par angle de vue. Et du coup, ça permet d'avoir un truc plutôt pas mal. Voilà. Je me suis dit, tout à l'heure en le voyant, je me suis dit, faudra que je te le dise et que je te le montre. Là c'est deux, je crois que je peux traverser quand c'est ça. La musique est chiante à force. Ouais, par contre, il n'y a pas beaucoup de variété quoi. Après du coup c'est un peu une musique mythique quand même pour moi donc. Mais c'est vrai qu'elle est un peu répétitive. Yep. Mais du coup c'est un peu plus simple, t'as moins complexe. En fait on a un peu plus à faire, mais ils sont quand même on va dire un poil plus simples. La transition entre les armes, mais il faut que je le prenne en compte.
J'ai pas vu le nombre de cœurs. Allez, j'ai commencé à... J'ai commencé à... À tabasser, là, un peu. J'ai fait un château en plus. Mince. Mec, il a pas de patience. Et donc, du coup, j'ai récupéré un cœur. Mais là, en plus, j'ai récupéré aussi le... un radeau. Donc là, je vais aller chercher mon cœur qui est à droite. Ah. Au niveau de... J'avais deux petites plateformes dans l'eau tout à l'heure, à droite. Et donc du coup, il y avait un cœur. Et comme j'ai récupéré le radeau, et ben, je vais pouvoir aller faire ça. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de cœur. Alors, c'est pas là. Non, bah, c'est plus bas. Ah, mais ça se brûle. Et hop là. Oh, moi j'ai trouvé un château. Ah, si tu veux des musiques chiantes. Ça, dans le genre, les musiques de donjon, elles sont bien stressantes aussi. Bien stressantes. Récupérer la clé comme ça. Il faut que je puisse. Du coup, je dois devoir récupérer l'arc dans cette. Dans les flèches. Parce que sinon, je peux pas les récupérer. Oh. J'ai combien de bombes? J'en ai 8. Mais ça sert ça. J'ai perdu pas mal de cœur, mais... C'est quand même plus facile quand je peux envoyer mon épée. Et là je peux pas, c'est frustrant. Parce que là il faut que je récupère 3 cœurs. Et c'est frustrant, c'est de pas savoir. Enfin, on drop pas des cœurs comme on veut, donc ça c'est un peu casse-pied. Dans un coin.
Avec Terrien, y'a pas des mobs? Y'a des mobs, je crois. Mais ils donnent rien. Là, qui me donne un cœur. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de V-Sync à l'époque. Non, 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 c'est... V-Sync, tu... ce que tu entends par V-Sync, c'est la synchro verticale. Synchro verticale, du coup... dans quel contexte? Non, pour empêcher que l'écran soit fendu en deux. Soit fendu en deux. Quand sur les transitions, tu veux dire? Bah... Et bon, c'est bien, ça fait des dégâts, mais... Ça le tue pas. Ok. Bah non, visiblement, il n'y avait pas. Ça me casse la tête d'être aussi mauvais là. Faut que je récupère mon armure, c'est pas possible. Je meurs beaucoup trop vite. Ça me fatigue. Je me prends un coup par les bleus, je perds deux cœurs là. Ce n'est pas possible. Et alors eux, avec leur mouvement aléatoire, ça me casse la tête. Ça, plus les lags, je vais commencer à... Ah, m'énerve un peu.
savoir que je vais pas pouvoir, parce qu'en plus j'ai pas la force. Ah si, j'ai peur. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est comme item. Après que je vois la fascicule. Notice Zelda. Le radeau, ça c'est bon. Ah, alors. Bâton magique, dont se servira pour agiter le prolipéré des sorts. Si Link ramasse le livre magique et apprend de nouveaux sorts, il peut évoquer des sortilèges et faire surgir des flammes. Ok. Faut que je trouve la baguette magique maintenant. J'ai le bouquin, mais. Après, il y a la flûte, le sifflet, un élément vraiment mystérieux pour un magique. Bougies bleues et rouges, le cerveau des bougies pour éclairer les pièces obscures. Les bougies bleues ne servent que pour un seul écran, mais les rouges peuvent illuminer les pièces sur plusieurs écrans. L'eau de vie, buvez-la pour changer tous les cœurs de vie de Link. Le rouge devient bleu lorsque Link la boit. Si vous buvez l'eau bleue, il n'en restera plus. Ok. Ok, ok. Donc en fait, j'ai encore de quoi me remettre. Ça. Ah, c'est devenu la map qu'il faut que je donne à l'autre vieille là. Je savais bien que j'avais la map. Je mettrais pas une bombe. Non, je pense qu'il n'y a pas une bombe à mettre ici. Au niveau des déplacements, c'est quand même très rapide hein. Et très fluide et très vif. Et lui il accélère comme un vin. Il faudrait que je mette des bombes, mais. C'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Je n'ai plus de vie encore une fois. Ah oui d'accord. Pas normal que ça lag comme ça me rend ouf. Ah il est chaud. Je me rappelle de. Je me rappelais pas qu'il était aussi mal, mais je me rappelle de. Encore une fois, c'est un château, j'ai l'impression que j'ai pas le stuff pour en fait. Parce que vraiment, elle a l'air quand même fort. Pas récupéré, pourtant j'ai le radeau. Je suis sûr que je peux passer par au-dessus, mais
avec tous les chats là. Ils vont me casser la tête. Ah non, c'est pas grave. Je les sens de l'autre côté. Mais c'est pareil, eux, je sais pas comment je vais faire pour les tuer. Autant avec des boules partout. Merci pour le follow, Fifine. Et j'ai l'impression que t'es dans un donjon beaucoup trop loin par rapport à là où t'en es. Dans le jeu, tu en as fait combien en tout? J'en ai fait 4. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que... J'ai mis 4 Triforce. Ah non, on les voit pas. J'ai quand même récupéré le boomerang argent. J'ai l'épée argent. Mais je suis d'accord que le donjon paraît un peu trop hard par rapport au niveau où j'en suis. Après, j'arrive quand même à faire des trucs dedans, mais ça me demande quand même beaucoup plus d'attention et de skill que les autres que j'ai fait où ça a été assez facile. Et là, notamment pour faire tout cela, ça va être une tannée. Mais j'ai plus de bombes, j'ai plus rien, donc je vais juste pas pouvoir le faire en fait, hein, je pense, parce que en haut à gauche c'est marqué que c'est la 8ème, faudrait d'abord que tu trouves le 5ème. Ah, level 8, ok. J'ai pas fait gaffe à ça. Ok, bah ouais, bah du coup, je pense que je vais le noter, je sais où il est, et je reviendrai plus tard. Bien vu. Et de base, je voulais aller chercher mon cœur qui me manque. Niveau 2, par contre j'ai pas de flèches. Je vais prendre des flèches. Ça va être bien. Parce que à chaque fois j'ai pas de flèches. Non. La hitbox. Du coup là je redémarre là. C'est pas grave. Allez. Faire donc des armes, ouais, pas un problème. Ah, ouais. Donc, c'est aussi. Mais les mobs sont pas plus puissants. Bah si, justement, si je fais pas tout à l'heure, je pense que j'ai fait Spy le level 9. Parce que c'est un dont je me rappelle le chemin.
sauf que du coup j'ai pas le stuff adéquat quoi. Du coup bah je peux le faire, mais c'est chaud. Parce que visiblement j'ai pas tout le temps. Oui. Tout. Et comme j'ai joué quand j'avais genre 10 ans, j'ai des souvenirs d'emplacements, de donjons et tout, mais j'ai pas le souvenir de tout non plus. Alors ça dépend, ça c'est ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. En fait j'ai joué pendant toute mon enfance, mais j'ai mis des années à le finir parce que je comprenais pas l'anglais. Et j'ai mis des années pour finir le jeu, je pensais. Et en fait c'était la quête numéro 1. Et du coup t'as deux quêtes, donc t'en as 8 plus la montagne de la mort, donc tu bats le boss final. Et après t'as la quête numéro 2, où là les donjons sont plus du tout au même endroit, et du coup faut que tu refasses. Normalement j'ai un radeau, je dois pouvoir m'en servir, pourquoi je ne peux pas y aller? Aller chercher ce truc là. Je pensais que comme j'avais le radeau, je pouvais y aller. Non, le radeau, ça me fait pas. Ça me fait traverser les petites rivières de mer, mais pas. Et pas traverser là. T'as pas encore l'item pour aller chercher. Mais c'est quoi l'item? Parce que je pensais justement que comme j'avais récupéré le radeau en haut là, c'était ça qu'il me fallait. Le radeau c'est juste pour accéder à un donjon. Ah d'accord. Du coup c'est celui-là qu'il faut que je passe. Et bon on va y aller hein. Et du coup, grand joueur de Zelda aussi, toi? C'est l'échelle que tu as récupérée dans un donjon et qui te permet de traverser des petits passages comme ça. Ok. Ah bah attends, j'ai des bombes maintenant. Hop. Si je me trompe pas. Non, c'est pas là. Je crois qu'il y a un truc ici. Oui, très fan de la série, en ce moment je me retape les 18 à la suite et j'ai fini celui-là il y a 3 semaines, donc c'est encore assez frais dans ma tête. Ok, je comprends mieux. Et du coup, t'as quel âge sans indiscrétion?
est-ce que t'as découvert après mais que c'est pas de ta génération ou est-ce que c'est de ta génération? Avec Wind Waker quand j'étais petit, ok. Ah, tu vois, en plus Wind Waker moi je le connais pas, et c'est celui qui me plaît le moins graphiquement, c'est celui qui était sur DS, Wind Waker. C'est celui sur GameCube, les graphismes sont un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir, mais c'est pour moi le meilleur. Ouais, bah du coup, moi c'est le problème, c'est qu'il m'a pas attiré graphiquement, j'ai eu du mal. Après, j'avais pas la GameCube au moment où il est sorti, et donc du coup, j'ai pas joué, mais j'ai eu du mal, même après coup, à. Bah, il y avait trop de. De bon entre guillemets graphiquement, et du coup je suis là, j'ai eu un peu de mal à, mais étant fan de la franchise je me dis je vais quand même le tester un jour, mais pour l'instant j'ai pas encore joué, je suis même pas sûr que je l'ai. Et du coup là c'est le level 4. Donc il y a déjà une des Triforce que j'ai pris qui était pas dans l'ordre je pense. Le boomerang argenté tu vois par exemple, je pense que je l'ai pris trop tôt. Wind Waker HD, franchement le jeu vaut le coup à 100%, le gameplay et l'ambiance c'est une dinguerie. Bah écoute je vais voir. Là déjà je suis content parce que du coup je retrouve celui-là, bon sur la Switch avec un émulateur. Mais c'est pareil, celui que j'adore, c'est graphiquement, c'est sur Super NES, que j'ai pas encore fait. Et pareil, le 2 sur NES. Donc je pense que, vu. Là, je sais pas si t'as suivi un petit peu par où t'es arrivé, si c'est le Zelda qui t'a fait venir ou pas. Mais en fait, je suis un peu sur TikTok et j'ai lancé un projet qui est de programmer un jeu vidéo de A à Z. En passant par le gameplay, le level design, les graphismes, la musique, etc. Moi de base je suis ingénieur informatique en gros, et maintenant je suis prof, et du coup l'idée c'est que je suis fan de jeux vidéo, donc j'ai une connaissance pas mal des jeux en tant que joueur. Et je sais programmer, et donc du coup l'idée c'est d'essayer de faire tout un jeu vidéo complet en un premier jeu en 8 bits, et puis après d'essayer de le faire évoluer de génération en génération. Donc en gros l'idée, ma grosse inspiration, c'est Zelda NES, celui-là, c'est pour ça que je joue à ce jeu en ce moment, et après de faire une évolution en passant par Zelda Super NES en gros, et après d'essayer de le faire évoluer en amenant de la 3D, etc. etc. Donc, pas comme il y a un jeu qui s'appelle Evoland, auquel j'ai joué avant de lancer ce projet-là, qui lui, en fait, il évolue au fur et à mesure du jeu. Moi, je veux vraiment faire un jeu complet en 8 bits, et une fois que j'ai fait un jeu complet en 8 bits, et ben, soit je fais la suite en version plus récente, soit je le prends lui et j'ajoute des choses et je l'améliore graphiquement, etc. etc. Donc du coup voilà, c'est mon gros projet de ma chaîne que j'ai lancé là il y a 2 semaines. Et du coup, je refais les Zelda parce que c'est mon inspiration de base. Mais maintenant ce que j'aimerais c'est ne pas m'attacher trop à l'histoire de Zelda et aux mécaniques de Zelda et réussir à faire un truc un peu
avec un scénario vraiment original et pas juste un copier-coller de Zelda, quoi. Du coup, là, c'est mon projet du moment. Très stylé comme concept. C'est quoi ta chaîne TikTok? C'est le pareil que mon pseudo là, c'est Toots and Firefly. Du coup, j'ai fait. Il y a un premier TikTok. Il y a plusieurs choses dans mes TikTok. Il y a des blagues et une vidéo qui explique le concept. Et une vidéo du premier live que j'ai fait, un résumé du premier live. Du coup, tu vois, ça donne un peu l'idée de ce que j'ai fait. Je vais voir ça après, là je verrai ça un peu ici, bah avec grand plaisir. Après, pas de backseat, bien évidemment, même si c'est pas noté. Mais 2-3 conseils comme ça, c'était cool. Bah après, pas de spoil, quoi. Après, celui-là, je le connais quand même normalement relativement bien. Du coup, il y a des trucs qui reviennent assez vite. C'est pour ça du coup que quand je joue, j'aime pas mal le jeu. Comme je suis en train d'essayer de reprogrammer un jeu dans le même style graphique. J'essaye de reprendre pas mal. Une fois que j'ai les flèches, est-ce que c'est limité? T'inquiète pas, je spoil pas, juste j'avais peur que tu perdes du temps à la dernier donjon alors que t'as pas fait le quatrième. Bah ouais c'est ça. Et tu vois, je m'étais fait la remarque hein, de me dire c'est bizarre parce que je le trouvais pas assez trop dur par rapport à là où j'en étais. Après, comme je dis, je pense que avec un peu de patience, j'aurais peut-être pu réussir à faire quelque chose, mais en fait, je me dis, je perds du temps, alors que si je récupère les items qui vont bien, et ben, du coup, c'est quand même plus pratique. Là je peux pas traverser encore et du coup ce sera l'échelle qui me permettra de traverser ces trucs là. Et du coup c'est pareil, l'avantage c'est que du coup l'arc je crois même pas que le 8ème était faisable avec ce que tu avais sur toi. Ouais, je pense que ça aurait été très compliqué. Bah là, quand j'ai vu tous les mobs d'un coup, je me suis dit, surveille ton HUD quand même. No spoil, qu'est-ce que t'entends par HUD?
sauvegarde tes rubis. Ah oui. Je m'attendais pas à tomber directement sur sur ce mob là. J'ai pas de bombe. Que je récupère des cœurs, hein, quand même. Sur le chemin, ça serait pas mal. C'est le dernier mob qui te donne le chrono. Ça va être compliqué hein, d'aller faire
le mob avec un cœur et pas de bombe. Et si je cale deux bombes, après, ça va, mais... Là j'ai pas de bombe et j'ai pas de cœur. Après l'avantage c'est que il repop, bon, je meurs, mais j'ai plus trop de cœur. Celui-là, ce qui est frustrant, c'est quand moi j'ai vraiment passé des années, parce que j'y jouais que les week-ends, et j'ai vraiment passé des années à jouer à ce jeu pour que sans pouvoir le finir, c'était chez ma grand-mère, jusqu'au jour où je le finis, et là, deuxième quête, et là tu fais bah, c'était déjà assez dur comme ça en fait. Eux des fois ils donnent de la vie. Eh ben non, c'est trop demandé. T'as déjà fini Zelda 2? Non, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais même commencé. Donc l'idée c'est que je pense que de toute façon, dès que j'ai fini celui-là, je teste le 2. Je vais essayer d'aller chercher des cœurs parce que là ça commence à me gaver de galérer. Pas parce que j'ai pas de possibilité d'envoyer mon épée. Et donne pas de vie. Allez, on est reparti. 2, c'est un vrai challenge, mais si tu tryhards, je le trouve plus simple que celui-là. Ok. Bah, j'ai un peu hâte de le faire, parce que c'est vrai que du coup, celui-là, je le connais, donc c'est un plaisir de cœur, on va dire.
essayer d'aller directement sans me faire toucher au boss. On va essayer de le speedrun un peu. Surtout qu'il donne rien, donc ça sert à rien que je perde trop de temps. Et il me donne un... Le 2 divise généralement les gens, c'est soit tu aimes parce que c'est dur et que ça te demande vraiment d'être fort, soit tu détestes parce que tu préfères un jeu plus cool. Ah ouais, moi je suis un... Moi je suis un de la génération tryhard. Hein. Ouais, je suis... C'est une époque où on faisait des jeux qui te faisaient galérer. Je peux passer des heures sur un même jeu. Perdu un cœur. Ah, il me faut des bombes. Ça sert à rien que je le fasse. Il me faut des bombes. Deux bombes, il est mort. Et là, je galère. Parce que je n'ai pas de bombes. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve un endroit où les acheter. Je peux les acheter. Je trouve pas mauvais, mais je me trouve pas non plus hyper fort, mais c'est sympa. Après, je me dis, j'aimerais bien essayer de speedrun un jour, mais faut que je le finisse pour pouvoir bien l'avoir en main. Et comme par hasard, ils vendent pas de bombes ici. Oh. Je galérais de ouf rien qu'avec les mobs de merde là. Ouais, c'est... Ah, c'est sûr que... C'est pas un jeu
en soi simple, ça c'est sûr. Joué une fois Zelda, je suis mort dès les premiers mobs rencontrés. Et après c'est du skill, de l'habitude. Et ouais, c'est ce que je préfère le plus. C'est le fait de. Et l'agilité. Les jeux d'agilité, c'est mon jeu préféré. Encore une fois. Et on n'a pas de bombe ici. Hop, on va se remettre tout nos cœurs. Puis après, l'avantage, c'est que. Par rapport à avant, je faisais un truc. Je me rappelais pas où est-ce que j'avais été, pour tout et quoi. Et là, j'avoue que je fais un truc, je sais où faut que j'aille, j'ai la map en tête. Et ça, mine de rien, bah, ça aide pas mal. Tiens, pour la peine, je vais même aller voir vite fait. C'était cette map-là, enfin ce donjon-là. Le numéro combien c'était? Déjà joué à Zelda Breath of the Wild, ouais, je l'ai fini là, il y a pas longtemps. Et là, je suis dans les additionnels. Donc ça, c'est le 3, ok. C'est le dernier que j'ai fait, c'est celui-là, donc c'est le 3. Et du coup, là, je suis en train de faire le 4, mais il me faut des bombes. Ah, voilà. Pareil, Breath of the Wild, pourquoi? Je me suis touché. Breath of the Wild, j'adore. Bah, c'est le. Typiquement, le but de mon projet, c'est du coup de commencer en programmant un jeu comme ce Zelda là, et de finir en programmant un jeu comme Breath of the Wild. Mais du coup, avec le défi. Technique des graphismes, etc. Et du coup, ah, ça y est, j'ai mes bombes. Et du coup, graphiquement, ça va être une bonne partie de plaisir. Si j'y arrive, je serai refait. Et puis, je pense que ça va me prendre quelques années. C'est un projet de quelques années, mais. Un projet intéressant. Un peu comme la démo de Breath of the Wild qui avait été faite avec le moteur de ce jeu-là. Avec le moteur de ce jeu-là, c'est-à-dire le moteur de ce jeu de Breath of the Wild. Ou de ce jeu-là, NES. Ça, j'ai pas vu. Là, normalement, même si j'ai pas tous mes cœurs, vu la stratégie que je vais mettre en place, ça sera pas trop gênant. Puisque je veux défoncer à la bombe. Parce que le moteur de celui-là, il n'y en a pas quoi. C'était programmé en assembleur, un langage. Machine ultra bas niveau. Et du coup, je sais pas comment ils ont pu faire.
bateau, du coup on va pouvoir aller se balader à des endroits qu'on n'avait pas encore pu aller visiter. Notamment récupérer un cœur là-bas sur le côté. Yo Amnesia, yo Pignon. Finalement, je pense que je vais pas programmer ce soir. Il faut que je finisse Zelda. Ça me rappelle trop de souvenirs. Bah ça va bien, ça va bien. Depuis tout à l'heure et toi? Après ça nous permet, quand je finis le jeu, ça nous permet aussi de voir le gameplay, tout ça, les graphismes, la diversité de mobs, etc. Et là, Pinou, tu vois, je regardais tout à l'heure comment il était fait le mouvement sur Zelda, enfin sur Link. Et du coup on voit qu'il a deux positions, il a pied serré, pied écarté. Pied serré, pied écarté. Et en fait, du coup, à chaque bloc, il change. En fait. Et du coup, quand ça va vite, on a l'impression qu'il marche. Du coup, il a deux positions dans chaque. Et pareil, son bras, il bouge. Il est en avant quand il a les pieds écartés. En arrière quand il a les pieds serrés. Et il est même plus haut du coup. Quand il a les pieds serrés, il est plus haut, etc. Et au bas, c'est pareil. Du coup, quand il va vers le haut, pied droit, pied gauche. Et du coup, on voit la main à droite quand le pied gauche est derrière. On voit la main à gauche quand le pied droit est derrière. Et en avant, c'est pareil, la main qui bouge et pied droit, pied gauche. Voilà, comme il a le bouclier, on voit que le pied gauche d'avant en arrière, mais avec la main. Et donc du coup, il a deux positions par angle de vue. Et du coup, ça permet d'avoir un truc plutôt pas mal. Voilà. Je me suis dit tout à l'heure en le voyant, je me suis dit faudra que je te le dise et que je te le montre. Et là normalement. Alors ici je peux pas. Là c'est deux, je crois que je peux traverser quand c'est un. La musique est chiante à force. Ouais, par contre, il n'y a pas beaucoup de variété quoi. Après du coup c'est un peu une musique mythique quand même pour moi donc. Mais c'est vrai qu'elle est un peu répétitive. Yep. Mais du coup c'est un peu plus simple, t'as moins de. Moins complexe. Là t'en as un peu plus à faire, mais ils sont quand même on va dire un poil plus simple. Aïe.
la transition entre les armes, mais c'est, il faut que je le prenne en compte. J'ai pas vu le nombre de cœurs. Allez, j'ai commencé à... à tabasser là un peu. J'ai fait un château en plus. Mince. Mec, il a pas de patience. Et donc du coup j'ai récupéré un cœur, mais là en plus j'ai récupéré aussi le un radeau. Donc là je vais aller chercher mon cœur qui est à droite. Ah. Au niveau de... J'avais deux petites plateformes dans l'eau tout à l'heure à droite. Et donc du coup il y avait un cœur. Et comme j'ai récupéré le radeau, et ben, je vais pouvoir aller faire ça. Et encore pour l'instant j'ai pas beaucoup de cœur. Hein. Alors c'est pas là. Non, bah, c'est plus bas. Ah, mais ça se brûle. Et hop là. Oh, bah j'ai trouvé un château. Ah, si tu veux des musiques chiantes. Ça, dans le genre, les musiques de donjon, elles sont bien stressantes aussi. Bien stressantes. Récupérer la clé comme ça. Il faut que je puisse. Du coup, je dois devoir récupérer l'arc dans cette. Dans les flèches. Parce que sinon, je peux pas les récupérer. Oh. J'ai combien de bombes? J'en ai 8. Je vais essayer de faire ça. J'ai perdu pas mal de cœur, mais... C'est quand même plus facile quand je peux envoyer mon épée. Et là je peux pas, c'est frustrant. Parce que là il faut que je récupère 3 cœurs. Et c'est frustrant, c'est de pas savoir. Enfin, on drop pas des cœurs comme on veut, donc ça c'est un peu casse-pied. Aïe. Je vais prendre dans un coin.
Y a pas des mobs? Il y a des mobs, je crois. Mais ils donnent rien. Là, qui me donne un cœur. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de V5 à l'époque. Non, c'est. V5, ce que tu entends par V5, c'est la synchro verticale. Synchro verticale, du coup. Dans quel contexte? Non, pour empêcher que l'écran soit fondu en deux. Quand sur les transitions, tu veux dire? Bah, et bon, c'est bien, ça fait des dégâts, mais. Ça le tue pas. Ok. Bah non, visiblement, il n'y avait pas. Ça me casse la tête d'être aussi mauvais là. Faut que je récupère mon armure là, c'est pas possible. Je meurs beaucoup trop vite. Ça me fatigue. Je me prends un coup par les bleus, je perds deux cœurs là. Ce n'est pas possible. Et alors eux avec leur mouvement aléatoire, ça me casse la tête. Ça plus les lags, je vais commencer à. À m'énerver un peu.
faire que je vais pas pouvoir, parce qu'en plus j'ai pas la force. Ah si, j'ai eu peur. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est comme item. Faudrait que je vois la fascicule. Notice Zelda. Le radeau, ça c'est bon. Ah, alors. Bâton magique, dont se sert à agiter l'eau pour libérer des sorts. Si Link ramasse le livre magique et apprend de nouveaux sorts, il peut évoquer des sortilèges et faire surgir des flammes. Ok. Faut que je trouve la baguette magique maintenant. J'ai le bouquin, mais. Après, il y a la flûte, le sifflet, un élément vraiment mystérieux au pouvoir magique. Bougie bleue et rouge, je sais.